contrôler le poids est plus facile que de le faire maigrir. Ah, on l'a répété celle-là. Un chat est dit en surpoids lorsque son poids dépasse de 15 à 20% son poids idéal. Pour connaître son poids idéal, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire. Ses côtes sont difficiles à palper et ses flancs sont un peu ronds. Vous pourrez aussi remarquer qu'il a du mal à se déplacer, ou à sauter, ou même à faire sa toilette. Le surpoids chez le chat est souvent une combinaison de plusieurs facteurs, tels que la suralimentation et les friandises, un manque d'activité physique, particulièrement chez les chats en appartement, le stress, la stérilisation, une prédisposition génétique ou même parfois des problèmes hormonaux. Son surpoids peut évoluer vers de l'obésité, mais aussi des pathologies sérieuses telles que le diabète, l'arthrose, l'insuffisance cardio-respiratoire, des calculs urinaires qui vont impacter sa qualité de vie, mais aussi son espérance de vie. Cela nécessite un suivi régulier chez votre vétérinaire pour suivre ses recommandations. Il est aussi important d'augmenter son activité physique et vous pouvez le faire jouer par exemple. Contrôler le poids est plus facile que de le faire maigrir.